Bonjour les amis, bonjour à tous les amis. J'ai deux amours, les amis, le potager et la radio. J'ai deux amours, c'est vous et mes vidéos. Ah les amis, joie, bonheur, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Bon, je voudrais revenir un petit peu, on a vu la première partie, je vous ai parlé un petit peu des échecs et surtout des réussites, mais ça va, on s'en sort bien quand même les amis, on s'en sort quand même super bien. Et je crois qu'on aura de la belle courgette, de la très belle courgette qui est en train de pousser. Il va falloir passer son week-end à désherber. La la la. Bon alors, on va revenir un petit peu à nos moutons ou à nos légumes. Bon, je vous avais parlé des tomates. Les tomates, ça va bien. Voilà, à part qu'on a un petit peu de manque de soleil ici dans le nord, l'ail ça va bien, ça termine sa croissance. Là je suis en train de faire de la graine de mange-tout et du bel épinard, toujours arroser les carottes et il va falloir nettoyer les oignons ce week-end. Oh là là, ça fait deux fois que je nettoie les oignons. Alors les amis, on a parlé quoi? On a parlé des carottes. Bah les carottes, vous pouvez toujours en ressemer, mais dépêchez-vous là quand même. Hein. On est au mois de juin. Hein. Voilà, semis à l'ancienne. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Vous pouvez également semer un petit peu de persil, là, 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 à la toile de jute. Et si on a semé, qu'est-ce qu'on a semé? On a semé des betteraves rouges, nos poireaux à repiquer, ils sont là, ils sont là, ils sont là. On en a déjà fait. Oh, elle est belle, la salade de Jaco et Lilian me plaît bien. Vraiment, elle me plaît bien. Là, 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 les échalotes fin de croissance. Là, 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 là. Bon, alors, on va parler un petit peu, les amis. Les haricots verts, ça pousse pas lourd. Ça pousse pas lourd, je sais, ils sont un petit peu jaunes là au niveau du feuillage. Hein, y a trop d'eau en ce moment, il y a beaucoup trop d'eau. Bah ouais, c'est ça. Hein. Voilà, les oignons d'Amposta. Alors, les oignons d'Amposta, les voilà. Ils me plaisent bien, ils me plaisent bien, ils me plaisent bien. Je les ai bien réussi cette année. Hein. Et je les ai semés un petit peu tard. Donc, alors, les amis, vers le 15 avril, 20 avril, je crois que c'est plutôt vers le 20 avril, il faudrait que je retrouve sur mon cahier, je crois que c'est vers le 20 avril. C'est pas mal, la terre se réchauffe, on a plus de réussite. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, Philippe, si tu fais des oignons d'Amposta et que tu les sèmes tardivement, il faudra les arroser un peu plus. Il a bien raison, car là, ça, c'est pas mal. Ils sont bien beaux, ça commence à le faire. Là, regardez, toutes les tiges, là, c'est des oignons d'Amposta. Alors, les conneries, maintenant on va voir la connerie. Connerie, ouais, je crois que ça serait une connerie parce que pour l'instant je vois pas grand-main, les amis, de quoi. Et je vois pas beaucoup d'haricots beurre sortir. Hein. Voilà, alors il va falloir que j'utilise ma ligne et que juste là, à côté, eh ben, que je refasse un semis d'haricots verts. Alors. Voilà, ne perdons pas espoir, les amis. Ne perdons pas espoir. Voilà, allez hop. Et n'oubliez pas que c'est encore le moment. Et bah non, c'est juste le moment. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aller voir mon ami Damien, pour que j'aille chercher un petit peu de bouse de vache. J'aimerais bien prendre un petit peu de bouse de vache. Et mélanger dans 10 litres d'eau. Et vous savez où est-ce que je vais mettre ça? Eh ben, je vais mettre ça dans mes sillons de poireaux. Mes beaux petits sillons de poireaux. Mais c'est du poireau pour l'automne, en espérant qu'ils ne montent pas, hein, parce que ça arrive. Les pommes de terre, ben, ça va. Les pommes de terre, j'ai quand même assez bien réussi, les pommes de terre. Là, ça va.
Ça va par cette ligne-là qui est un peu bizarre là, hein. Sur les trois lignes là, ça, mais le reste ça va. J'ai pas trop de trous, j'ai pas trop de pertes, donc ça se passe assez bien. Ça va assez bien, les amis. Bon, les amis, voici les céleris. Le céleri, là, 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 les céleris, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 qui montent, 7 qui montent, 7 que j'ai semé moi-même. J'ai fait mes semis, enfin, j'ai semé fin février, on les a semés ensemble. Tout est en vidéo du mois de février vers le fin février. Et voilà, j'en ai 7 qui montent en graines. Eh ouais. Et voilà, donc j'ai dû avoir un petit coup de chaud et froid. Alors, messieurs les céleris, alors je vais vous faire voir. Ça monte vraiment bien en graines. Bah, bon, je les laisse parce qu'on va voir ce que ça va donner. Mais à mon avis, ça va pas donner de boules. Et alors, monsieur croit qu'il a subi l'hiver, un hiver. Alors, il croit ça. Alors, il croit qu'il doit faire de la graine. Ils ont dû subir un chaud et froid. Regardez, voilà, j'en ai plusieurs. Hein, donc, j'en ai racheté un peu parce que j'ai dû en racheter. Voilà, bon, c'est pas grave. Alors, à part ça, les amis, tiens, je vois, il y a des bestioles dans mes choux. Ouais, j'ai des bestioles qui se nourrissent de mes choux. Je me demande si je vais pas devoir faire un fongicide, les amis, hein. Non, pas un fongicide, un insecticide avec les feuilles de rhubarbe. Ah ouais, vous savez que vous pouvez faire un insecticide avec les feuilles de rhubarbe. Ah ouais, celui-là, il est vachement attaqué, hein, quand même, il est vachement attaqué. Ouais, avec les feuilles de rhubarbe. Pas les bâtons, hein, les feuilles, hein. Hein, quelques feuilles qu'on fait macérer, puis on va arroser le feuillage. Ça, c'est un bon insecticide. Alors, voilà, ça, c'est un échec. Avec les haricots beurre, là justement, là ça n'a pas bien bien fonctionné, les amis. Alors les amis, nous voici dans les derniers pieds de tomates, les derniers pieds de tomates où c'est une terre en général un peu faible. Alors vous avez vu, on a fait ça hier, il y a les 4, 5, 6, 7, 7 pieds de tomates où j'ai mis un peu de compost mélangé avec de la terre pour dire de les relancer les quatre derniers là les amis. Autrement bon bah oh, bon les amis, on devrait quand même avoir de la belle tomate, mais bon, ils sont un petit peu plus fétiches, hein. Voilà, autrement bah il me reste encore plein de trucs à faire, mais bon, là je vais passer mon week-end, je pense, à désherber quand même pas mal. Alors les amis, quoi de neuf? Eh bien, je vais encore repiquer une ligne de betterave rouge. D'ailleurs, je vais nettoyer ce coin-ci. Puis on va peut-être demain matin, je vais repiquer une ligne de betterave rouge que je vais arroser, les amis. Là, ça serait une bonne idée de se faire une belle ligne de betterave rouge. Autrement, quoi de neuf, les amis, à part ça? Eh ben, tout va bien. On a fait des boutures de stupis et des boutures de tomates. Vous savez, un hein, petit rappel, les amis. Quand vous avez des gros gourmands, et bon, il faut que je vous trouve un gros gourmand. Un gros gourmand. Il y en a là. Vous voyez, bon, je l'ai laissé volontairement. Regardez, je l'ai laissé volontairement. Voilà, parce que en général, quand ça arrive un petit peu en hauteur, je les laisse. C'est la branche de tomate qui se divise. Voilà, là, c'est un peu plus franc peut-être. Voilà, là, regardez là dans le bas. Là, vous voyez, vous avez la branche de tomate principale, et là, vous avez un gros gourmand. Et bien, ce gros gourmand, quand vous le coupez là, eh bien, vous pouvez le bouturer. Vous pouvez encore le faire, hein, au mois de juin. Vous pouvez encore le faire dans un peu de terreau. Voilà, regardez, hop. Et là, faut laisser le temps au temps, et puis ça va le faire, et vous allez avoir d'autres pieds de tomates. Voilà, les amis. Bon, dans la serre, il n'y a pas trop d'échecs, ça va bien, hein, il y a quand même, bon, je réussis assez bien, sauf que je ne suis pas un expert au niveau des melons, donc on verra ce que ça va donner. J'ai paillé avec c'est pas du fumier de cheval, c'est un vieux crottin de cheval, vous avez vu que j'ai mis au pied. Voilà, donc, bah ça va donner de la force, ça va donner de la force
au pied de tomate. Hein. Ça va donner de la verdure, hein. Beaucoup de verdure aussi. Hein. Et ils vont grimper au plafond, ça c'est certain. Mais au moins, bah, ils vont être bien nourris. Hein. Voilà, 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 j'en ai mis un petit peu au melon. Là. Bon, on verra bien. Hein. Mais je suis pas très fort. Hein. Regardez-lui comment il aime bien. Il aime bien le fumier de cheval. Et puis mélanger dans le ballot. Et regardez le feuillage qu'il nous fait. Hein. C'est tellement qu'il y a de verre. Il y a beaucoup d'azote. Voilà les amis. Regardez, j'ai encore un peu de purin là, justement, ici. Voilà, bah les amis, je vous laisse. Plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Et moi, je m'en vais désherber un peu dans le jardin parce que autrement, je m'en sors pas. Allez, plein de joie et plein de bonheur dans votre jardin. Là, là, on est toujours en lune descendante. C'est le moment de repiquer quelques salades ou alors semer quelques haricots, pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt. Faut que j'aille bosser, les amis. Allez, bye bye.